destination de New York. Notre altitude de croisière sera de 36 000 pieds, soit environ 12 000 mètres d'altitude. Nous volerons à la vitesse de 900 km/h. Notre heure d'arrivée, normalement 11h40 à New York. À New York, il fait beau, la température au sol est agréable, de l'ordre de 17 degrés. Je vous souhaite un excellent voyage. Messieurs, quelques instants d'attention s'il vous plaît. Nous allons traverser une zone de forte turbulence. Je vous demande de regagner vos sièges et d'attacher votre ceinture. Merci. Attention afin de suivre les démonstrations réglementaires de sécurité. Ladies and gentlemen, may we have attention for a few minutes to watch the safety demonstration. Je présente actuellement la fiche de sécurité des
The crew is now showing the safety regulations. Comment your final.
to welcome you on board this Concorde. We will be looking after your safety and comfort during this flight to New York, John Fitzgerald Kennedy. Please fasten your seatbelt securely. I wish you a very pleasant flight on board Air France, member of SkyTeam. Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis Daniel Manchon, votre commandant. Je vous souhaite la bienvenue à bord de ce Concorde, aujourd'hui le Sierra Delta. Notre destination, New York Kennedy. Le temps de vol, 3h25, minutes, dont 2h50 minutes de vol supersonique. Le temps sur la route est beau, je vous souhaite un très bon voyage. Good morning, ladies and gentlemen. I am Daniel Manchon, your captain. Welcome on board this Concorde to the Sierra Delta. Destination is New York Kennedy. The flight time today will be 3 hours and 25 minutes, of which 2 hours and 50 minutes will be supersonic. The weather mood is expected to be fine, and I wish you a very pleasant flight. Speed up to Mach 2, 1150 knots, our cruising speed. De 50 000 pieds, soit 15 000 mètres. Nous allons maintenant maintenir Mach 2 et monter progressivement vers 60 000 pieds, 18 300 mètres. Ladies and gentlemen, je captain again. At the time we are reaching Mach 2 at an altitude of 50,000 feet. Now we are going to maintain Mach 2 and climb progressively up to 60,000 feet. Madame, Monsieur, bonjour, mon nom est Isabelle Lucan et je suis votre chef de cabine. Le commandant de bord, Monsieur Daniel Manchon, et l'ensemble de l'équipage ont le plaisir de vous recevoir à bord de Concorde. Nous nous assurerons de votre sécurité et de votre confort durant ce vol à destination de New York, John Fitzgerald Kennedy. Veuillez attacher et ajuster votre ceinture de sécurité. Nous vous souhaitons un excellent voyage avec Air France, compagnie.
Monseigneur Besset, le président Georges Pompidou. En mesure 4, pourriez-vous me passer le président Pompidou? Monsieur le Président, vous êtes l'un des rares privilégiés non spécialistes à être monté à bord de Concorde. Pourriez-vous nous décrire ce qui vous entoure? Qu'il est remis au musée de l'air et de l'espace. Henri Perrier, ingénieur en vol, nous fait revivre quelques phases des essais Concorde. Le prototype d'un avion de transport présente dans le fuselage un aménagement totalement différent de celui d'un avion de compagnie aérienne. En effet, pour les essais d'un avion de transport, on utilise une grande partie du volume qui est prévu pour les passagers. Avant de quitter l'avion, nous vous invitons à vous diriger vers l'avant de l'appareil afin de prendre la passerelle qui vous conduira à Concorde Sierra Delta. Merci de votre visite. Concernant cet appareil, son envergure est de 25 mètres 6, sa longueur est de 56 mètres 71, sa hauteur 11 mètres 58, son poids total au décollage est de 138 tonnes, sa vitesse maximum est de Mach 2,2, son plafond pratique est de 19 800 mètres et sa distance franchissable est de 6 500 km. L'équipage est composé de 4 hommes. Concorde 001 est le prototype du premier avion commercial. Mesdames, Messieurs, le musée de l'air et de l'espace est heureux de vous accueillir à bord de Concorde Ethiopia. Concorde, un nouveau mode de transport, 2,5 fois plus rapide que ses prédécesseurs. Un fuselage très effilé pour favoriser la vitesse. Une voilure inspirée du triangle et dite Delta, mais affinée dans sa forme par des études très poussées de soufflerie. Elle volante, Concorde n'a pas d'empennage, et c'est bon message d'apercevoir parfaitement la piste. Au moment du toucher des roues, nos yeux sont à 11 mètres de haut, 35 mètres en avant du train. Concorde 001 passe le mur du son le 1er octobre 1969, puis Mach 2 le 4 novembre 1970. Il effectuera 812 heures de vol, dont 254 en supersonique, et c'est à l'issue de son dernier vol, le 12 octobre 1973, qu'il est remis au musée de l'air et de l'espace.